DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité de nos léopards, hein, l'actualité des internationaux congolais, même ceux qui sont susceptibles de le devenir, pourquoi pas. Nous allons commencer en tout cas ce petit tour d'horizon par la Turquie. La Turquie où nous allons retrouver le champion en titre. En Turquie, il s'agit bien de l'international congolais, l'arrière-gauche Fabrice Ntsakala, nouvellement devenu champion de Turquie avec son club de Beşiktaş. Hein. Alors qu'il tenait à remporter un titre avec le Beşiktaş, Fabrice Ntsakala va plutôt en remporter deux. Et tenait visiblement le football ou le championnat turc sourit bien à l'international congolais Fabrice Ntsakala. Ntsakala qui a décroché un double titre du côté de la Turquie. D'abord a gagné la Super League, le championnat turc de première division. Mais Fabrice Ntsakala, notre international, vient de rafler également pour cette saison la Coupe de Turquie. La Coupe de Turquie, et c'était le mardi 18 mai 2021 au cours de cette rencontre qui avait opposé le Beşiktaş à Antalyaspor, rencontre gagnée par les champions de Turquie par 2-0. Alors bien évidemment, le Congolais Fabrice Ntsakala était titulaire dans son couloir gauche. Il a disputé l'intégralité de la rencontre et d'ailleurs il a figuré parmi les meilleurs joueurs de son équipe et les meilleurs joueurs du match. Il faut dire que Beşiktaş est un club qui a cru en Fabrice Ntsakala et qui compte sur lui. Il a Fabrice Ntsakala, en tout cas, il aime les victoires. Hein. Il a déjà eu à remporter à deux reprises le championnat belge de première division avec son ancien club, l'Anderlecht. Et Fabrice Ntsakala a également remporté une coupe de Belgique, hein, si ma mémoire ne me trahit pas. Donc, il tenait absolument à avoir un titre en Turquie. Hein. Il en a deux maintenant et il se propose de récidiver pour la saison prochaine. Hein. Fabrice Ntsakala voit le Beşiktaş gagner deux fois d'affilée le championnat de Turquie de première division. Alors il faut dire que Ntsakala avait signé pour 4 ans lorsqu'il a débarqué du côté de Beşiktaş. Il vient de terminer sa première saison avec brio d'ailleurs. Il lui reste donc 3 saisons et nous espérons pour lui que ces 3 saisons seront accompagnées de beaucoup de bonheur bien entendu. Alors Fabrice Ntsakala est revenu quand même par rapport, on va dire, à ce stress qui a entouré cette fin de saison avec ce sprint final entre 3 internationaux congolais qui se disputaient le titre de champion de Turquie, plus 2. Il y avait Fabrice Ntsakala et Christian Louindama de Galatasaray. Un peu en ballotage, on peut citer aussi Marcel Tisserand avec son club, le Fenerbahçe. Alors, il revient au cours d'une interview qu'il a eu accordée à un média là-bas en Turquie. Il est revenu sur cette fin de saison qui était très palpitante. Il a déclaré ceci: le sprint final fut haletant et la dernière journée était enflammée. Les 3 cadors de Super League avaient la pression sur leurs épaules, mais nous n'avions pas droit à l'erreur de notre côté. Nous occupions la première place depuis quasiment le mois de janvier, mais ce final explosif nous permet de savourer encore plus ce titre.
nous avons réalisé quelque chose d'extraordinaire au vu du début de saison. C'est vrai que ce début de saison auquel Fabrice Ntsakala a fait allusion, c'était un début plutôt difficile pour cette équipe de Beşiktaş. Il explique également comment cela était. Ce fut désastreux. Nous étions dans le bas du classement et les critiques pleuvaient. Puis nous avons été éliminés durant les préliminaires de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Mais d'un côté, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Il a fallu le temps de construire un collectif. Nous avons travaillé dur et cela a porté ses fruits. C'était un peu stressant par moments, mais nous y sommes parvenus. Félicitations à Fabrice Ntsakala qui, je le rappelle, reste encore 3 ans du côté de Beşiktaş, puisqu'il avait signé la saison dernière pour 4 saisons. Il venait toujours de la Turquie. Il était dans le club d'Alanya Spor. Donc voilà tout pour Fabrice Ntsakala. Mais nous allons rester, nous allons bien évidemment rester en Turquie et cette fois-ci pour aller du côté de Trabzonspor. Trabzonspor où un autre Congolais a fini sa saison de la plus belle des façons. Il s'agit de l'avant-centre international congolais également, Benik Afobe. Benik Afobe qui a inscrit un but important pour son équipe lors de cette dernière journée et qui a laissé un message à son équipe, remerciant en tout cas toute l'équipe pour son séjour du côté de Trabzonspor. Il faut rappeler qu'il était là-bas en prêt, en prêt venant de Championship en Angleterre. Donc en principe, Benik Afobe devrait retourner du côté de l'Angleterre après l'expiration de son prêt pour une saison en Super League. Alors Benik Afobe a laissé un message important, remerciant ainsi sa formation pour ce prêt et pour la confiance qui lui avait été témoignée. Il a dit: belle façon de terminer mon prêt avec un but qui fait gagner l'équipe. Je tiens à remercier tous ceux qui sont associés au club pour cette saison. Tout le meilleur à venir. Donc un message très encourageant de Benik Afobe, un message qui laisse à Trabzonspor. Visiblement, il a gardé des bons souvenirs de ce côté-là. Il faut dire que le joueur de 28 ans va faire son retour en Angleterre après ce prêt d'une saison du côté de Trabzonspor. On va dire une saison qui était plutôt un peu mitigée pour l'international congolais qui doit revenir en tout cas au plus haut niveau parce que même en équipe nationale, il n'est plus tellement rappelé. Alors nous quittons Benik Afobe pour aller voir un autre compatriote qui est un belgo au congolais. Il s'agit bien de Théo Bongonda, l'ailier très puissant de Genk qui fait la force de ce club belge de première division. Marche un peu sur les traces de Bissaka qui faisait un peu marcher son coach, le coach de l'équipe nationale d'Angleterre. Et Théo Bongonda également s'est exprimé aussi sur finalement ses différentes non-sélections dans l'équipe nationale de Belgique en perspective certainement de l'Euro 2021 qui approche. Et Théo Bongonda qui s'est exprimé sur les médias, en tout cas belges, chez les médias belges, et revenu sur sa situation personnelle. Et vous allez, je vais bien évidemment lire ce qu'il a pu dire, mais bien évidemment ça concerne aussi la République démocratique du Congo parce que il pourrait pourquoi pas demain rejoindre les Léopards de la République démocratique du Congo. Théo Bongonda s'exprimant dit ceci: si la Belgique ne m'appelle plus, je jouerai pour le Congo. Donc voilà ce qu'il a déclaré à la presse belge. Donc on peut dire que Théo Bongonda est en train de faire chanter le sélectionneur belge. C'est probable, peut-être qu'ils finissent par venir. Mais c'est vrai que la RDC, par rapport à tous ces binationaux, a souvent été le second choix. Bon, est-ce que, j'allais dire, avons-nous le choix parce que là-bas, c'est vrai que ce sont des joueurs qui sont nés dans ces pays-là. Est-ce que c'est un environnement qu'ils connaissent plutôt bien? C'est vrai que la RDC peut être un pays de cœur à partir des parents de ces joueurs. Mais
les infrastructures, les moyens à la disposition de l'équipe nationale sont beaucoup plus conséquents là-bas que chez nous. C'est normal que ces joueurs puissent s'intéresser d'abord au pays où ils sont nés plutôt qu'à la République démocratique du Congo. Alors bouclons ce petit tour d'horizon en revenant en Afrique pour avoir des nouvelles d'Héritier Luvumbu. On en sait un peu plus sur la manière dont Héritier Luvumbu a atterri du côté du Rwanda à Rayon Sport. Nous étions posé des questions. Comment Guy Bukasa, qui est entraîneur de cette équipe, avait pu entrer en contact avec Héritier Luvumbu, et on en sait bien évidemment un peu plus, et cela grâce à son interview qu'il avait accordée à la radio Top Congo. Guy Bukasa a reconnu en disant: en toute honnêteté, c'est Florent Ibenge qui m'a fait savoir que le joueur s'entraînait chez lui, et lorsque j'ai voulu savoir un peu plus, il m'a dit que le joueur ne pouvait pas signer dans le club parce que le mercato congolais était déjà fermé. Et donc cela a ouvert une piste à Guy Bukasa, qui finalement est entré en contact avec le joueur et lui a proposé son projet du côté du Rwanda, du côté de Rayon Sport. Le Rwanda, un pays qui connaît bien Héritier Luvumbu, puisque lors de ce match des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations en 2016, Héritier Luvumbu était l'homme du match. Il était aussi gravement blessé au cours de ce match, et donc les Rwandais n'ont pas oublié celui qui était l'homme de ce match-là. Et bien entendu, dans ce club de Rayon Sport, il a retrouvé un ancien de V Club aussi, que Jean-Florent Ibenga avait recruté justement en marge de ce championnat d'Afrique des Nations. Il s'agit bien de Ernest Sugira. Alors, toujours sur Top Congo, Guy Bukasa de renchérir. Il se faisait que le Rwanda n'avait pas repris son championnat depuis son arrêt la saison passée. Nous étions la seule fenêtre ouverte. Et je lui ai approché lors de mon récent séjour à Kinshasa. Je lui ai fait part de nos projets, bien entendu, finir champion et de retrouver la Ligue des Champions. Donc il a fallu un joueur de ce calibre-là pour avoir une influence sur les jeunes que nous avons recrutés. Donc voilà, Héritier Luvumbu a adhéré à ce projet et accepté. Il est parti là-bas et visiblement il est déjà en train de faire le bonheur des Rwandais. Il faut noter que ce joueur était finaliste de la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions africaine avec les Moscovites de l'ASV Club en 2014. Héritier Luvumbu a déjà inscrit aussi un but du côté de Rayon Sport. Il a également délivré une passe décisive sous les couleurs de sa nouvelle équipe. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime, liker cette vidéo. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.